Fait le guignol chez Bouvard. Et Marguerite, elle a donné un petit mot d'excuse. Oui, oui, je l'ai là, tenez. Et il y a 8 fautes. Ça s'arrange pas. C'est dommage qu'elle soit pas là, Marguerite. C'est un vrai bout en train. Électrique? Non, à vapeur. Quand notre ami Mirepoix nous a quittés. Mirepoix. Qui est-ce qui a animé la petite sauterie qui a suivi les funérailles? C'est Marguerite. Et sans compter que c'est elle qui a ouvert le bal avec Perfite. Je me souviens, elle se tenait aux oreilles. Bon, messieurs, l'ordre du jour. Et qui c'est qui devait amener les biscuits? C'est le jeune Alain Decaux. Ah oui, il avait promis des boudoirs. Oui, vous avez remarqué, à chaque fois que c'est deux coups qui doivent aller le goûter, il vient jamais. C'est pas chic. Alors. Bien, messieurs, l'ordre du jour, s'il vous plaît. Le mois dernier, nous avons inscrit à notre dictionnaire le mot faux-col. Vous nous rappelez la définition, mon cher confrère, parce que moi, je me sens un peu faible. Ben ça, c'est parce qu'on n'a pas fait 4 heures. Faux-col, escroquerie fort répandue dans la corporation des limonadiers. Limonadiers volaillés. Elle consiste à vendre à prix d'or un verre de mousse en faisant croire que c'est de la bière. Merci, mon cher. De rien, cher ami. Nous avons à débattre aujourd'hui de l'introduction. Oh, au dictionnaire, bien sûr. Du mot faux-cul. Dites donc, à propos de faux-cul, et Dernadi est revenu me voir. Il a cru qu'il pouvait m'acheter avec des boudoirs. Ne me parlez pas de ce jeune mal appris. Quel manque de tact. Figurez-vous qu'il a envoyé des fleurs à ma femme. Oh, comme s'il ne savait pas que vous étiez pédé. Bon, messieurs, nous avons assez travaillé. Je propose de clore la séance, car ma nouvelle bonne m'attend. Ça me permettra de terminer ma préface de mon dernier ouvrage qui rassemble toutes mes préfaces. Et rassurez-vous, messieurs, jeudi prochain, c'est moi qui ramènerai les petits gâteaux. À jeudi. Au revoir, messieurs. Attention à la grippe.